40-0. Ah, c'était un petit péché de gourmandise, mais c'était vraiment très très bien joué parce que le joueur de l'Île-de-France en bleu était complètement collé à la vitre et si cette volée amortie était passée, il aurait certainement réalisé le point. C'était tactiquement très bien joué. Alors on est rentré dans un petit rallye de lob. Et jeu pour Paca, 5 jeux à 1. Alors c'est sûr que ça va être difficile parce que après un petit coup de chaud comme ça, pour se remettre dans le match, ça va être délicat. Ils ont changé de côté, vous le voyez, hein, ils ont changé de côté. Le jeu est souvent plus porté vers la gauche. La balle a touché le haut du grillage, 0-15. Kenza. On a entendu le cri rageur. On le voit, il a du mal à retrouver ses jambes et c'est normal. Hein, après une petite insolation comme ça, retrouver de l'énergie, c'est pas facile. Hein. Oui, 15-40. Ça donne 3 balles de match. On voit l'une de sauver. En voilà 2 de sauver. Point en or. Non, il a pas pu y aller, c'était trop dur. Ce coup de chaud a eu raison de l'équipe d'Île-de-France, mais malgré cela, l'équipe de Paca était quand même très nettement supérieure aujourd'hui. Et je pense que l'équipe d'Île-de-France n'a rien à se reprocher, en tout cas sur ce match. Il y avait vraiment un écart entre les deux équipes. Et ce coup de chaud a eu raison de l'Île-de-France qui était quand même déjà menée. Allez, on va enclencher sur le second match. Que c'est parfois difficile de perdre sur un fait de jeu aussi, hein, ce coup de fatigue, ce coup de chaleur, et ça fait partie du jeu malheureusement, même si je pense que ça n'aurait pas changé la physionomie du match. Allez, on fait une petite page de publicité et on se rejoint d'ici 5 minutes pour voir le second match entre la Ligue PACA et la Ligue Île-de-France.
À nouveau, ce sera l'équipe raquette, l'argent favori.
Et c'est parti pour ce deuxième match entre l'Île-de-France et PACA. Alors, pour vous donner une petite idée, l'équipe d'Île-de-France, qui sont des jumelles, Neya et Feriel, sont sur le papier très nettement favorites par rapport à leur classement, par rapport à l'équipe de PACA. Donc on va voir si la réalité du papier devient la réalité du terrain. Alors pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, on va vous redonner une information assez particulière, c'est que dans cette équipe d'Île-de-France, il y a des jumelles que vous avez le bonheur de voir à l'écran en ce moment. Et dans la même équipe de cette Île-de-France, il y a aussi des jumeaux, qui est une particularité assez incroyable. Donc il fallait quand même le souligner. Allez, 15-40 dans ce premier match. Allez, 30-40, une balle de break. Et ce premier jeu, premier break de l'Île-de-France pour les jumelles, car nous aussi, nous avons peut-être trouvé nos gemelas atomicas, les jumelles atomiques. Pour ceux qui ne savent pas, en Espagne, vous avez une équipe de jumelles qui s'appelle Mapi et Mayo Alayeto, qui sont les seules jumelles qui jouent sur le circuit professionnel. Et peut-être qu'en France, nous avons dans ce championnat de France U14 la future paire de jumelles atomiques françaises. L'avenir nous le dira. Allez, au service l'Île-de-France, 1-0 dans cette première manche. Allez, 30-0.
en sélection ou en match en rassemblement? Allez, jeu et 2-0. Alors oui, vous le voyez, il y a un écart sur le papier, un écart sur le terrain. On a deux joueuses, les deux jumelles qui ont déjà participé à des rassemblements pour les équipes de France jeunes, qui n'ont pas encore joué, mais qui ont été convoquées sur des rassemblements. Donc c'est vrai que l'écart est assez important. 15-0, 0-15. Alors pour vous préciser qu'en même temps se déroule sur l'autre terrain le deuxième match qui oppose la Ligue de France et la Ligue Occitanie. Ce sont aussi des filles qui jouent. Donc on essaiera de vous tenir évidemment au courant de l'évolution du score. Et jeu 3-0 pour l'équipe d'Île-de-France dans ce premier set. Et pour vous dire que sur la seconde demi-finale qui se déroule sur le terrain juste à côté, c'est l'équipe d'Occitanie qui mène 3-2 dans le premier set contre les Hauts-de-France. Allez, c'est reparti. 15-0. Très très beau passing, long de ligne, prise de risque maximale, mais qui s'est avérée payante sur ce coup-là. 15-0. Allez, jeu pour l'Île-de-France, 4-0. Pour le moment, un match à sens unique dans ce premier set. Espérons que le coach de PACA va trouver les mots pour aider ses joueuses. Thank you.
Bravo. C'est très bien défendu sur ce mur latéral au fond. Mur du fond, mur latéral. Très très belle défense de l'équipe de PACA qui mène 35 dans ce jeu. Ah. Allez, 40-30 dans ce cinquième jeu. Ça serait bien que PACA arrive à conclure ce jeu pour se remettre dans la partie et n'être mené plus que 4. Voilà, c'est bien servi. Jeu et 4 jeux à 1 pour la Ligue Île-de-France dans ce premier set. Sur le terrain numéro 2, la Ligue Occitanie mène 4 jeux à 3 dans le premier set. Allez, reprise du jeu au service de l'Île-de-France. 4 jeux à 1 dans cette première manche. Pour le moment dominée par les filles de l'Île-de-France. Salut Francky. Salut Francky. Allez, jeu pour l'Île-de-France, 5 jeux à 1, un match pour le moment, malheureusement pour la région PACA, sans unique. Mais c'est vrai que sur le papier, les jumelles de l'Île-de-France sont quand même nettement plus fortes. Mais nos régionales de l'étape se battent avec leurs armes.
Allez. Cinq jeux à deux dans cette première manche. Allez, pour vous tenir au courant du second match à côté, c'est les Hauts-de-France qui ont renversé la tendance et qui mènent maintenant 5 jeux à 4 dans le premier set dans l'autre demi-finale. Et nous revenons sur le central, sur ce central de la Ligue Occitanie du Country Club d'Aix-en-Provence. Revenons à cette belle demi-finale que nous offrent les filles. Heureusement que mes confrères de derrière m'ont repris. J'ai dit Ligue Occitanie, pas du tout. Nous sommes dans le magnifique centre de la Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur pour ce championnat de France U14 mené de main de maître par la Fédération française de tennis. Et jeu pour les jumelles parisiennes qui gagnent ce premier set. 6 jeux à 2. Une domination nette, hein, on peut le dire. Mais c'est normal. Elles sont bien au-dessus sur le papier. Ce sont des joueurs, comme je vous l'ai dit, qui ont déjà été convoqués en rassemblement national pour les équipes de France de jeunes. Donc des joueuses qui s'entraînent au club des Pyramides. Mais qui sont licenciées au tennis club, au club des Loges de Saint-Germain-en-Laye. Mais licenciées au tennis club des Loges de Saint-Germain-en-Laye, me précise Franck à côté. Voilà, des joueuses expérimentées qui s'entraînent très régulièrement. Et c'est normal qu'aujourd'hui sur ce match-là, elles dominent pour l'instant leur sujet. Mais on va voir. Vous le savez, dans le paddle comme dans beaucoup de sports, tant que le dernier point n'est pas marqué, il peut tout se passer. Donc on va voir si, en ce début de second set, la tendance change ou si elle reste actuelle et que les jumelles de l'Île-de-France vont continuer à dominer cette rencontre. Allez, 30 tasses, c'est dommage. Elle menait 30-0, deux fautes directes. Allez, il faut démarrer en gardant ce jeu de service pour rester devant. L'important, c'est de ne pas donner de points et de rester devant au score.
Aïe, 30-40. Ce qui offre deux balles de break à l'équipe d'Île-de-France. Je vous le répète, à 30-40. Le format de jeu est sans égalité, c'est un point en or. Donc en fait, à égalité, à 40, celui qui marque le point marque le jeu. Et voilà, break réalisé par l'Île-de-France d'entrée dans ce second set. Et donc, elle mène 1-0 avec ce break d'entrée dans le second set. Allez, de retour sur cette piste centrale de ces championnats de France U14 au Country Club d'Aix-en-Provence et à la Ligue PACA de tennis. 1-0 dans le second set pour la Ligue Île-de-France après avoir gagné le premier 6-2. Et jeu pour l'équipe de France, pour l'équipe d'Île-de-France, pardon, qui mène désormais 2-0 dans cette seconde manche. C'est les mêmes.
Et les filles de l'île de France qui continuent leur cavalier seul dans ce match et qui mènent 3-0 dans cette seconde manche. Ça va être difficile hein, pour voir Paca revenir, mais ce qui est le plus beau que vous ne voyez pas, c'est le sourire quand même qui reste et sur le visage du coach de l'équipe de Paca et des filles. L'important c'est aussi à cet âge-là de s'amuser et c'est le cas. Même si ce sont des compétitrices et qu'elles sont venues pour remporter ce fameux titre de championne de France, le plus important avant tout, c'est de prendre du plaisir, de s'amuser. Ils sont nombreux hein, aujourd'hui, on 13, pour vous faire un petit point sur les joueurs et les joueuses, mais c'est 13 ligues. C'est donc minimum 6 à 7 joueurs ou 8 joueurs par ligue, puisqu'il y a aussi un remplaçant en cas de blessure. Donc on a une centaine d'enfants environ et des accompagnants qui passent les journées ensemble autour de ces terrains dans une ambiance vraiment hyper décontractée, très sympathique. Tout a été mis en œuvre par la Fédération française de tennis et la Ligue PACA pour que les conditions soient optimales pour les joueurs. Je peux d'ores et déjà vous dire que ces championnats sont une réelle réussite. En tout cas, tous les enfants avec qui on discute sur et en dehors du terrain sont ravis d'être là et dans les conditions dans lesquelles ils peuvent jouer ces championnats de France. Allez, 3-0 au service l'Île-de-France. Et 0-15. Vous êtes en train d'assister au point du match. C'est le point du match. Bravo! Superbe échange. Superbe échange. De la part des deux équipes. Alors, certes conclu par l'équipe d'Île-de-France, mais quel point! J'espère que ça vous donne envie, vous derrière l'écran, jeunes et moins jeunes, de venir essayer de jouer au padel. Vous avez le droit de jouer comme les jeunes attendent de 7 à 77 ans avec papy, mamie, papa, tonton, votre frère, votre soeur, vous verrez. On s'amuse très vite, c'est très ludique. Et après, vous finirez peut-être devant la chaîne YouTube de Padel Magazine pour disputer un championnat de France des jeunes, U14. Attention, balle de 4-0. Oh, bravo!
Et le point en, et un point en or. Le point décisif. Et non, ça sourit pas, ça sourit toujours pas. 4 jeux à 0. Sur ce point en or, elle, sur le retour, elle prend la bande du filet. Et ça fait donc 4-0 pour l'équipe d'Île-de-France dans ce second set. Allez, 15-30. Bon, pour ceux qui découvrent, ceux qui découvriraient éventuellement le padel, là, la balle est faute parce qu'au service, vous ne pouvez pas toucher le grillage. Vous avez le droit de faire un rebond au sol et toucher la vitre, mais pas le grillage. C'est pour ça qu'on était sur une deuxième balle. Par contre, effectivement, pendant le match, vous avez le droit de toucher le sol et la grille, mais pas sur l'engagement. Très belle volée et 4 jeux à 1. C'est peut-être le réveil des filles de PACA. En tout cas, leur coach a l'air satisfait pour le moment de l'état d'esprit qu'elle donne. Et c'est vrai qu'elles ne lâchent pas le match. Elles se battent avec leurs armes. Et elles sont toujours là. 4 jeux à 1. Même si l'Île-de-France domine ce match, elles ne se laissent pas faire. Et comptent bien revenir dans la partie pour éventuellement, pourquoi pas, décrocher un troisième set. Allez, retour au jeu, 4 jeux à 1, service Île-de-France. Thank you.
Allez, ça là, fait jeu Île-de-France qui mène 5 jeux 1 dans cette deuxième manche. C'est dur pour l'équipe de PACA, mais c'est aussi normal. Hein. L'équipe d'Île-de-France est beaucoup mieux classée sur le papier, on l'a dit en début de ce match. Mais... Vous voyez, cette volée-lette arrive même à les faire sourire, même à 6-2-5-1. C'est quand même ce qui est le plus beau, c'est de voir le sourire sur ces, on va dire, certains enfants, d'autres adolescents, parce que c'est quand même des U14. Et ça fait plaisir de voir, même en étant mené 6-2-5-1, de voir le sourire sur le visage de ces joueuses. Allez, 15-30, à 2 points du match pour les joueuses d'Île-de-France. Pour permettre à leur équipe d'égaliser à un match partout. Donc le troisième match sera décisif pour savoir lequel de ces deux ligues iront jouer la finale de ces championnats de France U14. Allez, 30-40. Voilà, jeu, set et match pour l'équipe de l'Île-de-France. 6-2, 6-1. Cela fait donc un match partout, un point partout entre l'Île-de-France et PACA. Et nous allons donc avoir un match décisif pour savoir laquelle de ces deux ligues sera qualifiée pour la finale de ces championnats de France U14 qui, je vous le rappelle, se déroulera demain matin à partir de 9h30, je crois, non ? On vous confirmera ça, évidemment. Restez branchés sur le live, on vous confirmera ça. Ça sera 9h ou 9h30. On va aller à la pêche aux informations et vous donner tout ça dans quelques instants. Allez, on regarde les stats. Bon, évidemment, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Elles sont toutes à l'avantage de l'Île-de-France, mais sur un score de 6-2-6-1, c'était évident. Hein. Elles ne pourraient pas parler autrement. Les points en or gagnés, les breaks gagnés, voilà. Mais l'important, c'est pas forcément aussi que le résultat, surtout pour ces deux jeunes filles de PACA qui ont commencé il y a très très peu de temps le padel. C'était de pouvoir faire une belle demi-finale d'un championnat de France, de se faire plaisir, d'avoir le sourire et de s'amuser. Allez, on fait une petite pause de 5 minutes. Une petite page de publicité pour vous présenter un petit peu peut-être le Green Whiz Paddle Open qui va y avoir en septembre. Et on se retrouve dans 5-10 minutes. A tout de suite.
Allez, rebonjour à tous et Kenza dans ce premier set de ce match décisif entre la Ligue PACA. Allez, match décisif. Rebonjour à tous et match décisif entre la Ligue PACA et la Ligue Île-de-France pour une qualification en finale de ces championnats de France U14 au Country Club d'Aix en Provence. Allez. Allez. 1-0 dans ce match, dans cette première manche du match décisif. Vous l'entendez autour de moi, ça s'agite un petit peu parce qu'on est quand même en Ligue PACA. Et on va avoir, je pense, beaucoup d'animation sur ce troisième match décisif qui permettra à l'une des deux ligues, ou PACA ou Île-de-France, d'accéder à la finale. Après. Allez, début de ce second jeu. Allez, 30-0, c'est Tim Bollard-Panicki qui est au service. Allez, 30-15, on aura certainement aussi l'occasion tout à l'heure, avant la fin de ce match, de recevoir avec Stéphane Berafato, qui travaille avec, évidemment à la mission Paddle à la Fédération Française de Tennis, pour parler de plusieurs sujets, comme les championnats de France U18 qui vont arriver à partir de demain après-midi. On pourra parler éventuellement du Greenwiz Paddle, des P2000 organisés par le circuit de la FFT. Les jeux un partout dans cette première manche. Alors là, on va assister à un match évidemment sur le papier qui est assez équilibré. Même si les joueurs de PACA sont mieux classés, mais c'est parce que les Parisiens ont joué moins de tournois, mais pour les avoir vus jouer depuis le début de ces championnats, on est sur des paires plutôt homogènes. Donc on devrait assister à une belle rencontre. Bravo. Ouais.
très bon ce match qui finit sur la grille. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin non plus d'avoir une puissance exceptionnelle. Ce mur du fond, la balle revient sur la grille. Elle est difficile à jouer parce que très proche de la grille et ça fait point. Et attention, première balle de break, 15-40. Oh là là, c'est dommage, et sur la première balle, c'est le break réalisé par l'équipe de PACA qui mène 2-1 dans cette première manche. Je vous rappelle, si vous nous rejoignez à l'instant, que ce match est décisif pour la qualification à la finale, puisque PACA avait gagné le premier point de cette rencontre. Puis les filles de l'Île-de-France ont égalisé dans le second match. Donc il y a un point partout. Donc ce troisième point sera décisif pour l'accès à la finale de ce championnat de France U14. Allez, 2-1 pour l'équipe de PACA. Un break de fait dans ce premier set. Allez, 15-0. Ça, c'est bien joué. Il va falloir pour les joueurs de l'équipe de l'Île-de-France de maintenir la balle en jeu, de ne pas donner de points gratuitement à leurs adversaires. Essayer de garder. Garder la balle dans le terrain leur permettra de faire durer les points. Essayer de les fatiguer.
Ah, il a voulu. Il a vu que le smash était. Il a vu que le smash était dehors. Il a voulu enlever la raquette. Et en enlevant la raquette, il a touché de la tranche. Ce qui permet à l'équipe de PACA de confirmer le break et de mener 3 jeux à 1. Bien joué, tapé. C'est un exemple que vous pouvez reproduire. Ce smash, il est fort sur le joueur. C'est difficile de se dégager, sortir de la balle pour repartir, aller la jouer vers l'avant. C'est un bon smash, bon service dans la foulée. 30 à. Voilà. Ce que je vous disais depuis le début, faire jouer ses adversaires, ne faire provoquer la faute, essayer de ne pas conclure trop rapidement le point, ça ne sert à rien, sauf si évidemment la balle est courte et facile, sinon pousser son adversaire à la faute. Deuxième, le point en or, et c'est Team Panici qui demande le retour. Et elle est parfaite. L'Île-de-France qui revient à 3 jeux à 2. Ils n'ont qu'un break de retard. Voilà, en faisant jouer leurs adversaires, ils arrivent à prendre leur jeu de service.
Allez, Kenza, dans ce jeu. Ah, bravo. Superbe point. Allez, 4 jeux à 3 dans cette première manche. La Ligue PACA qui reste devant, toujours avec ce break d'avance. On se rapproche de la fin de ce premier set. Alors qu'à côté, je vois une explosion de joie. Donc a priori, je pense que les filles de la région Occitanie ont battu les filles de la région Hauts-de-France. Ce qui veut dire que la Ligue Occitanie se qualifie, est la première qualifiée pour la finale de ces championnats de France U14 demain. Oui, c'est bien ça, je vous confirme. Donc la Ligue Occitanie vient de remporter le deuxième match. Et donc mène donc désormais 2-0 et donc d'ores et déjà avant le troisième match qualifié pour la finale de ce championnat de France U14 ici au Country Club d'Aix-en-Provence. Allez, on revient à notre partie décisive, elle aussi, qui oppose la Ligue PACA à la Ligue Île-de-France. La Ligue PACA qui mène 4 jeux à 3 dans cette première manche. Et on attend le retour des joueurs pour entrer dans ce 8e jeu de ce premier set. Allez, 15-0.
très très bien servi sur la vitre, au départ de la vitre 1, juste après le grillage. 40-0 et balle, 4 balles de 5-3 pour la Ligue PACA. Et c'est fait, 5 jeux à 3 dans la première manche pour la Ligue PACA contre cette Ligue Île-de-France. Attention, 0-30 à 2 points du set de ce premier set pour la Ligue PACA. Ah, très bien ce match. Allez, les deux, trois balles de 7 pour la Ligue PACA dans ce premier, dans cette première manche. Et voilà, c'est fait. Jeu et première manche pour la Ligue PACA qui mène une manche à 0 et qui n'est plus qu'à un set de la finale de ces championnats de France U14. Demain, ce serait donc contre l'Occitanie. Mais le match n'est pas fini, hein. 1-7-0, 6 jeux à 3, il n'y a eu qu'un break. Allez, une petite page de publicité. Ah oui, on va d'abord passer avant la page de publicité par les statistiques pour vous montrer un petit peu. Hein, vous voyez les breaks réalisés, 2, le nombre de balles de break. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, les stats. Elle reflète bien le set, hein. C'était un set qui est assez serré parce que vous regardez Golden Point, il n'y en a eu qu'un. Et encore qui a été remporté par Léo et Tom de la Ligue Île-de-France. Mais le nombre de balles de break et les breaks réalisés ont été plutôt du côté de la Ligue PACA. Et donc c'est la Ligue PACA qui logiquement remporte cette première manche 6 jeux à 3. Allez, de retour pour le début de ce deuxième set avec au service la Ligue PACA. Ah, superbe. Très beau volley-volley gagné par l'Île-de-France. Ils sont revenus avec de bonnes intentions. Ça nous promet un deuxième set palpitant. Et pourquoi pas que ça nous amène vers un troisième set décisif.
très très beau par 3 de Tim Panichi. Alors, ce qu'on appelle un par 3 pour les novices dans le paddle, c'est quand vous tapez. En fait, vous voyez la hauteur des murs sur les côtés du terrain sont à 3 mètres et les murs de derrière avec le grillage sont à 4 mètres. Donc, quand on se match et que la balle sort sur le côté, on dit qu'on fait un par 3. Et quand elle sort derrière, on dit qu'elle fait un par 4. Et pendant ce temps-là, Tim construit son point et finit par une volée gagnante dans le coin. 40-15. Ah, normalement le point est perdu parce qu'il a rattrapé la balle avant le rebond. Alors voilà, un petit point de règlement. Le team a tapé fort, la balle est revenue dans son camp, donc il avait gagné le point, sauf que vous devez automatiquement attendre un rebond dans votre camp. Vous n'avez pas le droit d'attraper la balle à la main. Parce qu'on estime que tant que la balle n'a pas touché un obstacle extérieur au terrain, vous êtes susceptible de pouvoir la jouer et donc de gagner le point. Bon, les deux coachs n'ont pas tenu rigueur. C'est tant mieux parce que le match était très bon et la balle est revenue très très haute et était vraiment injouable pour les joueurs de la Ligue de France. Mais c'est une petite règle à savoir. Si vous tapez fort sur le mur du fond et que la balle revient dans votre camp, vous devez absolument la laisser toucher le sol chez vous avant de l'attraper pour pouvoir gagner le point. Allez, on revient dans le match. 1-0 pour Paca, pas de break au service. La Ligue Île-de-France. Attention, attention à ce début de set, 0-40, 4 balles de break, ce qui pourrait augmenter la confiance des joueurs de la Ligue PACA de mener 2-0 en ce début de set. Très belle volée. Première balle de break sauvée au centre. On en parle depuis lundi matin. Le centre, c'est comme au double de tennis, c'est la zone de conflit. Malheureusement, la deuxième balle de break est la bonne. Et le break est fait pour la Ligue PACA qui mène maintenant 2-0. Ah, c'est dommage, c'était très bien joué, écarté sur le bord de la grille après Pojo Centre, après ces deux très très belles défenses de team. Allez, 0-15. Kenza. Alors c'est vrai que les joueurs de la Ligue de France ont les jumeaux ont un petit handicap, c'est qu'ils sont à la fois droitier et gaucher, donc la balle au centre arrive sur le coup droit des deux joueurs et donc de temps en temps ça gêne, puisque on dit bien que lorsqu'on fait un double comme ça, la priorité est au coup droit, sauf que eux ont le coup droit tous les deux au centre et donc ça amène forcément de temps en temps de la gêne. Très belle balle.
avec beaucoup de réussite, mais il voulait la placer à cet endroit, donc très joli coup de Tim. Allez, jeu 3-0 dans ce second set, attention, la Ligue PACA se détache, mène dans ce second set et se dirige pour l'instant vers une victoire qui permettrait à la Ligue PACA de se retrouver en finale, éventuellement contre la Ligue Occitanie, mais on n'en est pas là, un match n'est jamais fini, et vu ce qu'ils ont montré sur les deux premiers sets, cela laisse espérer encore un combat jusqu'à la fin de ce match. Ah, magnifique, superbe point, un superbe volley, magnifique, gagné par les joueurs de Ligue PACA, mais bravo aux quatre joueurs sur cet échange qui était absolument magnifique. Bravo, très belle zone, trouvée par le joueur de l'Île-de-France. Un premier retour long de ligne et une seconde volée au centre. Les jeux pour l'équipe PACA qui mène 4-0 au service à suivre. Ça commence à se compliquer un petit peu pour les joueurs de l'Île-de-France. Mais on peut faire confiance aux joueurs et à leur coach pour essayer de les remonter. Mais c'est vrai que les joueurs de la Ligue PACA sont en train de faire un deuxième set quasi parfait. Je pense que les stats vont le montrer, c'est quasiment aucune faute directe. Les seuls points qui ont été gagnés par les adversaires sont des fautes provoquées. On le voit encore. Le match de Team, 30-0. Bravo, quelle défense, magnifique.
superbe défense d'Hugo qui permet à Tim de terminer ce point. 40-0, 4 balles de 5-0 dans ce second set. Et voilà, la première est la bonne. Jeu 5-0. J'ai bien peur que les jumeaux n'y soient plus. Ça a l'air, c'est normal, hein, c'est difficile. 6-3, 5-0. On voit leur coach Frédéric qui essaie de les remotiver, de leur... Il leur dit, hein, on le voit, on l'entend ici, de prendre du plaisir, même si c'est difficile et que effectivement le résultat paraît pour l'instant mal engagé. Il faut y croire jusqu'au bout, se battre chaque, sur chaque balle, chaque point. On a vu des remontées encore plus exceptionnelles. Ça arrive. C'est ce que je pense qu'est en train de leur dire Frédéric. On le voit à travers ses grands gestes. Allez, ils sont déjà en train de revenir sur la pista centrale de, du Country Club d'Aix-en-Provence et de la Ligue PACA. Un magnifique endroit où se déroulent ces championnats de France U14 jusqu'à demain midi. Et c'est à partir de demain après-midi que nous attaquerons les championnats de France U18. Allez, 0-5 au service d'Île-de-France. Aïe, attention, 0-30. Et 4 balles de match pour la Ligue PACA pour rejoindre la Ligue Occitanie en finale de ces championnats de France U14. Allez, une balle sauvée. Il en reste encore 3 sauvés, messieurs, pour espérer 15-40. Et c'est fini. Jeu 7 et match PACA qui gagne ce troisième match 6-3, 6-0 et qui amène forcément cette Ligue PACA en finale de ces championnats de France U14. Ah. Oh, le juge arbitre les a arrêtés, je pense que parce qu'il y a un match, alors effectivement il y a le troisième match à côté. Allez, on aura donc une finale demain entre la Ligue Occitanie et la Ligue PACA. Et restez en ligne, on va vous donner l'horaire pour demain, une petite page de pub et on se retrouve dans 2 petites minutes pour vous donner l'horaire de cette finale qui aura lieu, je vous le rappelle, demain. A tout de suite. Thank you.
Allez, un petit retour donc après cette victoire de la Ligue PACA sur les Guildes de France qui nous permettra d'avoir demain en finale la Ligue Occitanie contre la Ligue PACA. Une finale déjà vécue les années précédentes. Normalement, les horaires de cette finale sont demain matin à 9h. Je pense que la direction du tournoi a juste titre à souhaiter faire jouer cette finale relativement tôt, car les températures demain sont encore annoncées relativement chaudes. Voilà, c'est la fin de cette retransmission. Aujourd'hui, cette deuxième journée des championnats de France de paddle U14 au Country Club d'Aix-en-Provence et à la Ligue PACA de tennis, qui aura vu se qualifier donc pour la finale la Ligue Occitanie et la Ligue PACA. Merci beaucoup à la Fédération française évidemment de tennis et ses partenaires que sont Greenwiz, Alpine et Wilson d'avoir jusqu'à maintenant organisé ces championnats de France de main de maître. Merci évidemment à Franck Binisti et Padel Magazine pour les retransmissions sur YouTube. Bonne soirée à toutes et à tous. On se retrouve donc dès demain
à la première heure à 9h pour regarder cette finale U14 entre la Ligue Occitanie et la Ligue PACA. Merci et bonne soirée à tous.